Étant donné qu'il a bien performé la semaine passée, je lui ai donné le droit de revenir une deuxième fois. Merci beaucoup. Donc, Jean-Maxime est avec nous encore une fois pour nous parler de musique. Oui, tout Mais à fait. Mais cette fois-ci, on va parler de la musique chez les boutiques Gap. Oui, je sais. Puis je sais que ça a l'air vraiment, vraiment étrange, là. Oui. Mais tu vas voir ce que je veux dire. Oui, parce que ça fait 30 minutes que tu... que j'en dis pas plus, hein, oui. C'est ça. La musique du Gap. Toi, personnellement, comment est-ce que tu découvres ta musique aujourd'hui? Dans ma voiture. Dans ta voiture, hein, la en radio. En changeant les chaînes, etc., Spotify. Ouais. Donc, ça a été un peu comme ça pour moi aussi toute ma vie, puis pour beaucoup de gens, c'est comme ça qu'ils découvraient la musique. Là. C'était la radio, c'était des curateurs de musique qui choisissaient la musique en soi pour toi. Puis il y avait une expérience collective qui se développait au travers de ça. Si une chanson qui jouait à la radio, tu étais à peu près certain que c'était la seule façon de la découvrir, la seule façon de l'entendre. Et là, il y a beaucoup de gens qui découvraient leur musique au travers cette façon-là. Puis de plus en plus, ça se perd, parce que l'expérience de radio, elle se perd complètement. Là, maintenant, les gens absorbent leur musique un peu plus sur Spotify ou sur des services qui sont ultra personnalisés. Ce qui est dommage en soi, c'est juste les plus gros artistes qui ont le plus d'argent qui vont finir par sortir du lot à cause de ça. C'est vraiment quelque chose qui manque à la musique d'aujourd'hui, je pense, comme des curateurs qui sont bons pour comme, choisir la bonne musique. Avant que ça apparaisse, par contre, dans les années 90, dans les années 2000, tout ça, disons qu'il fallait faire confiance à certains curateurs, à certaines chaînes de radio. Et il y a un magasin qui s'appelle, qui est le Gap. Ça, on a vendu le punch. Oui, exactement. Qui a acquis une réputation vraiment surprenante d'être un excellent curateur de musique. D'aller là, puis ils tombent des raretés ou des super bonnes chansons, tu t'en vas là, puis t'es comme tabarouette. Puis je suis pas le seul à penser ça. Là. Moi, là, je... T'as remarqué ça, toi, en allant? Non, même pas. Je vais même pas magasiner au Gap. Mais en regardant les bandes-annonces du Gap, genre aux États-Unis, j'étais toujours impressionné. J'étais comme, Colin, c'est bien bon, cette chanson-là, tu sais. Des chansons d'artistes comme Bill Withers que moi, je connaissais pas, tu sais. Puis j'étais un petit jeune, moi, là, tu sais. Fait qu'il y a bien des tunes que je connais pas de ces années-là, tu sais, qui sont super bonnes puis qui ont manqué à ma culture. Et j'étais pas le seul à penser ça. T'as une espèce de culte un peu inavoué qui s'est créé autour de cette musique-là. Alors là, t'as des employés du Gap qui ont créé un site Internet et qui ont répertorié toutes les chansons du Gap de 1992 à 2006. C'est à ce point-là que les gens trippent sur la musique de ces magasins-là. Wow! Ce qui est vraiment est-ce que Gap est conscient de ça? Ah oui, probablement. Ou on l'a juste remarqué, nous, à travers l'écoute. Je ne suis pas tout à fait certain. Il faudrait que je demande au président de Gap. Ben, je suis un peu déçue que tu ne l'aies pas fait. C'est ça. La prochaine fois, j'arrangerai un appel là, sur Zoom, quelque chose de M. Gap. Là, il doit être facilement rejoignable. Pas de problème. Mais à mon avis, il y a une conscience de ça parce que pendant ces années-là, il y avait justement des playlists qui se créaient. Il y avait des feuilles avec des chansons puis des cassettes qui étaient faites spécifiquement pour les Gap. Eux étaient conscients de cette réputation-là. Et de retomber sur ces chansons-là, là, c'est une excellente capsule dans le temps, dans les années 90, qui était une époque qui était ultra sereine puis joyeuse dans la musique. Tu sais, en 1991, tu as eu la chute de l'Union soviétique, ce qui était comme une grosse victoire culturelle puis politique aussi pour les États-Unis. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu vraiment une joie collective qui s'est présentée dans ces années-là et ça se ressent beaucoup dans la musique. C'est de la belle musique, c'est des bonnes chansons puis c'est très, très, très joyeux. Mais je te dis, là, moi, j'ai fait des découvertes là-dedans, là, sensationnelles. Juste pour t'en nommer quelques-unes, là, puis tu vas faire genre, ben oui, tout le monde sait qui, là. Un groupe comme Gin Blossoms, si jamais t'aimes plus du rock, que j'aime beaucoup. Un artiste qui s'appelle Simply Red. C'est un des artistes qui a vendu, je pense, le plus d'albums au Royaume-Uni. Moi, je le connaissais pas du tout. Non. J'adore sa musique. Moi, je le connaissais. OK, tu sais c'est qui Simply Red. L'autre groupe après, et ça je capote, là, c'est M People. Est-ce que tu sais c'est qui? Non. Non? Le nom me dit rien, peut-être. Et en fait, la chanson Moving On Up, je te chanterai pas parce que ça va sonner horrible, OK? Mais ma copine puis moi, on est dans l'auto, puis on écoute ces albums-là, là, c'est Colin, on capote, on trip, là, tu sais, vraiment, on fait des accidents sur la route, on s'en sac, c'est vraiment, vraiment de la bonne musique. C'est des beaux moments. Ouais. Écoute, je redécouvre Céline Dion. J'avais jamais écouté ses albums en anglais. Ma mère est fan de français de Céline Dion. Je ne vous oublie pas, plus affaire de la même. Non, non, non. La musique en anglais, là, fantastique. Phénoménal. Je trippe à fond, là. Je sais que j'ai l'air d'un crackpot, là. Mais d'aller vérifier toutes les chansons consécutivement de ça, là, ça met dans une époque que moi, j'ai manqué vu que je suis né en 93. Puis, écoute, j'adore vraiment, là. J'ai des tonnes et des tonnes de recommandations à faire mes amis à cause de ça, là. Puis vraiment, j'encourage les gens à aller vérifier, là. Donc là, ça existe à quelque part, là, ce que tu es en train de nous parler. Absolument. Il y a une playlist qui a été créée. Gap Playlist sur Google. Puis vraiment, là, tu as de 92 à 2006, à chaque mois de l'année, tu as une nouvelle playlist qui est créée. Puis vraiment, là, c'est... renouvelée. Oui, exactement. Donc, il y a la playlist de genre février 1995, là, ce qui est ultra spécifique. Mais en même temps, tu vois l'évolution de la musique. Tu vois l'avènement de certains genres, là, comme par exemple le rap dans les débuts des années 90, là. Mais à la fin des années 90, là, ça ne peut plus être stoppé. Là. Aujourd'hui, le pop, c'est du rap. Il n'y a que ça. Avant, c'était du rock, c'était du rap, c'était un petit peu plus diversifié. Mais ça vient de là, là, tu sais. Ça a parti de là. Puis vraiment, là, c'est comme c'est l'âge d'or un peu du rap à mes yeux là, dans les années 90. Le rock aussi.
phénoménal. Donc, écoute, Jean-Maxime, tu nous donnes quasiment le goût d'aller magasiner chez Gap. J'espère! Je vais faire augmenter les C'est week-end, oui, parce que souvent, je trouve désagréable le niveau auquel le son est mis dans les boutiques. Souvent, oh, oui, ça vraiment. Me fait fuir parce que je deviens à bout après 5 minutes. Mais là, en ayant une autre façon, une nouvelle approche, ouais. Peut-être que là, je vais trouver ça plaisant d'aller... J'encourage les gens à faire les playlists aussi de l'aubainerie puis du tic géant à Châteauguay, parce que là, vraiment, il n'y a que les États-Unis qui sont représentés en ce moment, puis je trouve ça décevant, tu sais. Je veux dire, moi, mon enfance est représentée par ça, là. Écoute, on pourrait peut-être te mettre ça entre les mains. Oui. Va voir l'aubainerie, propose-leur... Stanley Brocoli, ouais, non, exactement, on compte sur toi, Jean-Maxime. Donc, on se revoit peut-être la semaine prochaine. Je le souhaite! Je le souhaite.